mettre le chat sur mon téléphone. Petite seconde, petite seconde. Voilà. Nous revoilà déjà le lendemain du lancement sur Horizon Zero Dawn. Le retour de la hype de ce jeu. Fait du bien. Bonsoir à toi, qui que tu sois. Bienvenue sur ce petit stream un peu en retard. Petit peu en retard. Mais c'est la vie. La vie est faite d'imprévus, les enfants. Et oui, quand je suis malade et que j'ai envie de gerber, je suis très philosophe. Faut le savoir. Pardon. Rost? Ah oui. L'astuce pour nager, c'est vrai. Rost? Rost? Où est-ce qu'il est? On est à 2 jours de l'éclosion et il disparaît? Non, il ferait pas ça. Mais où est Papy Paria? Où est-il? Je ne sais pas. Qu'est-ce que... Qu'est-ce? Ah oui, c'est vrai! Regarde rapide. Wow! Wow! R2, d'accord. Oh, trop d'infos à la seconde là, ça y est. Oh, de la bœuf. Attendez. On peut scanner la bœuf? On peut pas. Je suis dead. Wow! Oui, je suis un peu. Et PA! Et PA! Oh, calme-toi, calme-toi. Calme-toi. Ah. Oh la double! Oh la double! La double! On peut taper le gong. Ah, d'accord, c'est juste une cible. C'est quoi? Sac de soins plein, excellent. Bon, j'arrête. Je recommence à traîner des pieds comme hier, ça va vous trigger. On m'avait dit qu'on irait chasser. Pourquoi il est pas là? Oh. Où est-ce qu'il est passé? Papy Paria, mais où es-tu? Il y a des choses à voir ici? Français? Oh ouais. Ah, il y a de la bœuf. Ah non. Je sais même pas quoi faire, ça ferme. Toujours plus. Qu'est-ce qu'il fabrique? Bah alors, Papy Paria, t'as perdu tes lunettes? On dirait qu'il attend. J'y comprends rien. Bravo, inspecteur. Écoutons Papy Paria nous raconter une histoire. Aloy, tu es là. Tu veux que je te laisse? Non. Je dois te parler. J'ai réfléchi à ton entraînement, Aloy. Je t'ai appris à chasser, à survivre. Mais il y a quelque chose que j'ai omis de t'enseigner. Veux-tu l'apprendre? Bien sûr. Tout ce que tu m'enseignes est important. Il y a eu des incidents. C'est l'occasion idéale pour cette dernière leçon, mais ce sera dangereux. Il faut que tu sois préparé, ou tu mourras. Va chasser dans l'étreinte et récupère les pièces nécessaires à des flèches de feu. Des flèches de feu? Mais de quel genre d'incident on parle? Quand tu auras tout trouvé, retrouve-moi là-bas, la porte près du village du cœur de la mer. La porte nord? À la frontière de l'étreinte? Oui, c'est ça. Allez, allez, ne traîne pas. Y a autre chose qui te tracasse? Non, tout va bien. Et mon cul!
Tu t'inquiètes de ce qui va se passer après l'éclosion ? Je sais ce qui va se passer. Tu seras accepté comme membre de la tribu et je resterai un paria, un invisible. Rost, même si la tribu m'accepte, je... Nous avons du travail, Aloy. Nous parlerons de ça plus tard. D'accord. Il y a autre chose que tu veux que je fasse dans l'étreinte ? Oh. Gratta la félie ne doit plus avoir à manger. Tu pourrais lui chasser un peu de viande, si tu as le temps. Pourquoi j'ai demandé ? Ce qui serait bien, c'est qu'elle dise merci pour une fois. Oh, Gratta suit le règlement. Son silence envers nous est normal. Ne le prends pas mal. Puisque tu le dis. Je vais chercher les pièces, mais j'en profiterai pour dire bonjour à Karst. Aloy, cet homme enfreint le règlement à chaque fois qu'il te parle. Et je l'en remercie. J'aurais besoin d'acheter un lance-câble et c'est le seul à traiter avec les parias. Fais-le plein de munitions alors. Cette arme te sera utile ce soir. C'est assez inquiétant. Très bien. On se voit à la porte nord. Ça y est, c'est la merde. Super. En ce sens, c'est vraiment super. Oh non, c'est tout. Super. C'est vraiment super. Je m'en dis à plein le cul. Ok. Allons-y alors. Je sais pas s'il faut juste que je saute. Il y a quelque chose qui le tracasse. S'il croit que je vais l'abandonner, il se trompe. Incroyable. Atterrissage contrôlé. Y'a de la bœuf. Ah, trop de bœuf, tant pis. Oui. En fait quand ? Voilà. Allez, j'incline un peu de vitesse. L'étreinte. De toute ma vie, je ne suis jamais allé au-delà de cette vallée. L'éclosion va changer tout ça. Toujours plus. 2 jours et j'aurai mes réponses. 2 jours et je saurai d'où je viens. Oh. Et pourquoi on m'a rejeté à la naissance. Oh. Comme si ça pouvait se justifier. Bon, il faut que je trouve les pièces pour les flèches de feu. D'abord, trouver un troupeau. Tu te calmes, Micheline. Attendez, parce que si jamais je dois le faire un jour, autant le faire maintenant. Non, c'est pas les textiles, oui. Chut, faut pas le dire. Faut me donner plein de choses. Oui, les gars. Oui. Et bah ça pour des collectibles, là c'est des collectibles. Hein. Ok. J'active tout moi. Ah du coup il y a que ça qui est activé. Ok d'accord. Bon bah écoutez, on va y aller. Hein. Et les choses. Doucement. Aller parler à gratte-moi là. Voilà, une nouvelle. Oh. C'est le nœud qu'il faut que je.
Je vais devoir me battre. Pas censé se passer comme ça, mais que voulez-vous? Heureusement qu'elle a de la longe, hein. Putain. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Ouais, quand je dis que je suis mieux. Et ça recommence. C'est plus pire. Ok. Mamie. Ah oui, c'est vrai. Wow. Je veux voir mamie, moi. C'est quoi qui m'est affiché là? C'est les autres missions ou... Non. Attendez, j'ai craqué mon slip. Apparemment. Mamie Mujo. Toute mère. Quand mon nom a été crié vers la montagne. Bonjour, Grata. Toute mère. Ah oui. Depuis mon bannissement, n'ai-je pas été aussi constante que le flot de la rivière? N'ai-je pas tenu mon serment aussi solidement que la pierre? Accorde-moi ta grâce, toute mère. Et offre-moi ma pitance. T'en fais pas, Grata. Tu auras tes lapins. Oh, toute mère. J'entends ta voix, portée par le vent. Je voudrais compter tes bienfaits avec mes perles de prière, mais je les ai perdues sur le promontoire de l'Est. Mes vieux os sont trop usés pour y retourner. Je la déteste. Donc il te faut des lapins et des perles cette fois. D'accord, je te retrouve chez toi. Tu casses les couilles, mamie. Mais une puissance... Vraiment. Pas les petites choses là. D'ailleurs, d'accord. Évidemment, ils ont respawn. La pluie menaçait depuis trop longtemps. Si c'est pas de l'assassinat, ça? Non, mamie, c'est par là. Ah non, flemme par contre. Ah, d'accord. Okay.
petit lapin. Reviens là. Merci. Bon, Grata a dit que ces perles de prière étaient sur le promontoire de l'Est. Ah bah, c'est pas loin d'ici. Là où ils sont tous les quatre. C'est le one shot ça, messieurs. Du calme, du calme. Le sentier des braves qui mène en haut n'est pas loin. Myrthe. Oh, Myrthe. Bon, allez, viens, ma grande. Ah, t'es... Ah, d'accord. Excusez-moi. Oh, la nuque d'un homme. C'est pas cette touche-là ? Non, c'est celle-là. Ok. Grata monte jusqu'ici à son âge. Et juste pour prier. Ça, c'est de la ferveur. Il y a un peu de camp en bas. Il y a un peu de camp en bas. Le plus sage serait d'aller prendre le feu de camp. Attention les genoux. Hein. Voilà. Pourquoi il me... Je comprends pas. Revendre le point de vue. Hein? Quand elle a fait les, revendre le point de vue. Rejoindre le haut du point de vue, d'accord, ok. Allons-y. Bonsoir, c'est pas de l'abus. Assistana, putain. C'était... Je jouais que au... Ah oui. Je jouais au joystick là, hein, je vous le dis. Hein. Là aussi d'ailleurs. Bien joué. Ah oui, je me souviens de cet endroit. Je me souviens de cet endroit, ouais. Pas qu'un peu d'ailleurs. J'avais galéré 36 ans. Parce que j'avais pas vu le petit nœud jaune que je viens de prendre là. Saute, petite. Bien joué. Ah! Pardon. Il y a du monde sur la colline. Ah, t'as, remonte là-dessus, toi. Ah. Il y a du jeu. Oh, si c'est que ça, ça va. Par contre, mamie veut pas aller chercher ses perles, mais... Ah, les perles de Grata. Je comprends pourquoi elle vient prier ici. On voit la porte de la mer. Je sais pas ce qui m'énerve le plus. Le fait qu'elle m'ignore, ou qu'elle ne soit jamais seule vu qu'elle parle à la toute mère. D'où la porte? Ah. Non. Du tout. Je dis de la merde. Bon. Eh bah... Ah. T'as pas froid aux yeux à Pichoun, hein. Y'a pas de voyage rapide encore à ce moment-là du jeu, il me semble, donc je suis contraint de tout me retaper. Malheureusement, y'a pas moyen que je descende un peu plus rapidement que prévu, hein. Oh, no, de Dieu. Tout va très bien. Du calme, du calme.
Quatès. Ah bonjour. Excusez-moi, j'avais envie de tirer sur quelque chose. Voilà. Bien, bah retournons-y. Tout va bien. Personne ne veut m'aider. Je suis blessé. J'ai besoin d'aide. Rien ne pourra passer. Tu te calmes, Jaco. Malade, hein. Tu veux parler à une paria? J'ai besoin d'aide. Je me fiche des conséquences. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es blessé à la jambe? C'est pas pour moi, c'est pour ma fille, Arana. Elle est en danger. Elle a suivi une charognarde près du berceau de la mer. Je crains pour sa vie. Je ne peux pas m'enlever. Je ne peux rien faire du tout. Est-ce que tu peux m'aider? Moi, je sais pas. Ta fille s'est lancée après une charognarde toute seule? C'est ma faute. C'est moi qui l'a traquée. Elle m'a démoli la jambe. Je m'en suis sorti, mais ma lance est restée fichée dans son corps. Elle avait été fabriquée par Edena, ma compagne, qui est morte. Arana chérit cette arme. C'est pour la récupérer qu'elle a suivi le monstre. Bah oui, mais Jaco... Arana est allée vers le berceau de la mer? Oui, au sud-est d'ici. Je lui ai interdit, mais depuis la mort de sa mère, elle n'en fait qu'à sa tête. Franchement, regarde-moi. Veuf et maintenant infirme. Incapable d'aller à la recherche de sa fille. S'il te plaît, il faut absolument que tu m'aides. Je ferai ce que je peux pour retrouver ta fille. Il faut que tu la sauves. Je t'en prie. Moi, avancer dans l'histoire? Jamais. On va voir mamie et ensuite on y va. Non, quand même. Comment ça, pas le bon chemin? Alors, Mimi Mougeot. C'est perles et tabous. Voilà Grata, avec la toute mère, comme à chaque fois. Allez, parle-lui. Parle à mamie. Bonne nouvelle, Grata. Une fois de plus, la toute mère t'a apporté des lapins. Et j'ai aussi retrouvé tes perles de prière. Essaie de ne plus les perdre. Oh, toute mère, chaque matin, je vois tes larmes de joie sur les feuilles et les fleurs, car tu pleures face à la beauté de ta nature. Vois comme je pleure avec toi de gratitude. Donc tu pleures avec elle, mais tu ne veux pas me parler. C'est pas grave, tu es une bonne paria, toi au moins. Grata... Je crois que je viendrai moins souvent. Je vais participer à l'éclosion et ça risque de changer beaucoup de choses. Toute mère, je te remercie pour les dons que tu me fais. Pendant l'éclosion, dans ton immense sagesse, puisses-tu aider quelqu'un au cœur généreux? Je crois que j'ai compris ton message. Adieu, Grata. Ou au revoir. Tu me diras, Grata l'a fêlé, tu connais son bien. Toute mère. Oui, non, mais merci. Hein. Mes années de dévotion. T'es gentil, avec tu me casses les couilles.
Je dérape un peu. Oh, ça va, ça va. Bon, passons à la vraie quête. Arrête dans les conneries. Il y a un pont là. Hop là, un peu de bœuf. Je l'ai raté vraiment. Bien joué. Je l'accueille. Oui, d'accord, super. Pour plus de bœufs. D'accord. Ah, non, ça c'est un sanglier. Mauvaise pioche. D'accord. Mais ça marche aussi. Wow, doucement, Jaco, doucement. Les flèches de feu. Qu'est-ce que ça fait en plus? D'accord, ça nique pas le bouclier, ça fait un peu moins de dégâts, mais ça donne du. Oui, d'accord, c'est logique. D'accord, hein, qu'on t'aimera pas. Hein. Ah, il me reste un petit. Permettez. Non, non, je suis pas là. C'est pas vrai, c'est pas moi. Non, 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 non. Ok, c'est bon à savoir. Moi? Pas de cœur? Pas du tout. Bon, allons-y. Je dois aller voir Karst, j'ai besoin d'un lance-câble. Oui, j'ai pas oublié depuis bah 5 minutes. Je ne vois personne dans le coin. Je crois que c'est sans danger. À mon avis, il doit m'attendre. Pas du tout. Attendez, je l'ai raté. Ah oui, d'accord. Oh, je remonte. Heureusement que je suis banni, ça m'évite de devoir parler à ces crétins. Oh, jeune fille. Je ne parle pas comme ça des voisins. Même quand les voisins sont. Comment dire ça, c'est beaucoup trop méchant.
intellectuellement limitée. Le voilà. Il a l'air nerveux. Et schlack. Ah, excuse-moi. Bonsoir. Tiens, tiens, tiens. Ah, une paria devant chez moi. Que la toute mère me protège. Je suis surprise que tu m'aies vue. Tu regardes partout sauf vers moi pour vérifier que personne ne nous voit. Méfie-toi pour tes cervicales. C'est surtout dangereux quand tu viens me voir, petite. Ça finit toujours mal. Oh. On peut savoir pourquoi tu es de si bonne humeur ? Après l'éclosion, tu feras partie de la tribu et tu traiteras avec les marchands du cœur de la mer. Peut-être bien que je n'aime pas perdre mes clients. Les marchands qui suivent le règlement et ne vendent pas aux parias ? Exactement. Et nos petits arrangements seront du passé tant que tu la boucles. Tu as peur que je révèle que tu fais affaire avec les parias ? J'ai pas l'impression que ce soit ton genre. Mais sait-on jamais? Je te rassure tout de suite. Ça restera entre nous. Ah, c'est bien ce que je pensais. Mais je suis content de l'entendre. Bon, allez. Pourquoi tu prends ce risque? Bosser avec les parias? Tu me demandes à chaque fois. Si tu crois que je vais t'expliquer mes motivations profondes, tu rêves. C'est parce que t'en étais un avant, c'est ça? Ouais. Je me suis fait choper à farfouiller dans les ruines de métal au-delà de l'étreinte. Les matriarches ont dit que j'étais souillé, elles m'ont banni pour 5 ans. T'as vu quoi dans les ruines ? Rien que je pouvais comprendre. Après le bannissement, j'ai voulu retourner vivre dans le cœur de la mer, mais... tous ceux que je connaissais n'y étaient plus et il y avait trop de monde partout. Je suis bien mieux ici. La seule personne qui est au courant de nos affaires, c'est Rost. Ouais, bon, c'est pas comme s'il allait me dénoncer, de toute façon. C'est le genre à respecter le règlement à la lettre, ton Rost. Comment tu le supportes ? Tu ne sais vraiment pas pourquoi il a été banni ? Je te l'ai déjà dit, non. Je ne crois pas que quelqu'un le sache. Mais ça devait être grave parce que c'est un bannissement à vie. La dernière fois que je suis venue, t'avais un lance-câble dans tes réserves. Tu l'as toujours ? Bien sûr. Mais je veux une lentille de charognarde. Qu'est-ce que tu veux ? Ça a un prix, les armes spéciales. Nick. Ça j'ai. J'ai abattu une charognarde l'autre jour. La lentille était en parfait état. C'est à moi d'en juger. Fais voir. C'est vrai ? Faut pas que j'aille voir la fille d'abord ? Bon, tant pis. Vendre. Ah d'accord, ok. Ah oui, d'accord. Bref. Ah, lance-câble. Cette arme crée des pièges, se déclenche. Lorsque le filet de temps reliant deux points d'ancrage est brisé. Modification possible. C'est de l'électrique. Ok, d'accord. Gros porteur. Ouais. Ah oui, je me rappelle. Ouais, je me rappelle. Moi, ça me va.
incroyable. Flash of. Voilà. Ceci étant dit. Maintenant que tu t'es trouvé un lance-câble, va t'entraîner un peu plus loin, d'accord? J'ai suffisamment de problèmes sans en plus me prendre les pattes dans des pièges électrifiés. Ah oui? On aurait pu croire. Je sais que vous adorez. Tu seras là plus tard, si jamais j'ai besoin d'autre chose? Je ne bouge pas. Apporte-moi les matériaux que tu récupères sur les machines que tu abats à la chasse. Les meilleurs te vaudront plus d'éclat, comme d'habitude. Mais tu devrais quand même jeter un coup d'œil à mon stock. Qui sait, j'ai peut-être quelque chose qui pourrait t'aider à réussir ton éclosion. Ah, d'accord. Je crois que c'est tout pour le moment. Ok, bonne chance pour l'éclosion. Que la toute mère te bénisse et tout ça. J'ai ce qu'il me faut. Je peux aller retrouver Rost à la porte nord. Non. Ah, oh, ça y est, j'ai. Ah oui, putain. Et ça, c'est. Alors, oui, à partir de là, c'est le DLC. Tout ça, c'est le DLC. Ça a pas l'air comme ça, mais c'est putain de grand. Flipper cette affaire, hein, je vous le dis. Je me souviens de cet endroit. Oh putain. Mais oui, parce qu'en plus, oh, mais oui, autour de la map, il y a tout ce qui est. Oh là 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 là. Ça y est. Ça y est, je me rappelle de tout. Ça y est, c'est la mer noire. Site de Charognard. Excellent. Feu de camp. Passement rapide existe un pack de voyage. Et à un moment, on va pouvoir en acheter des packs de voyage, ça va être déconsommable. Et à un autre moment, les packs de voyage, on va pouvoir en avoir un qui nous permettra de le faire tout le temps. Bordel de merde. Non, c'est pas ça. D'accord. Quête. Sur les pas de sa mère. Arana, allons-y. Ça y est, c'est parti pour l'arbre de compétences. J'espère que vous êtes prêts parce que putain, on n'est pas fini. On n'est pas fini. Ok, c'est d'accord. Qu'est-ce qu'on a? Rôdeuse. Ah, voyageuse. Amatrice d'éclat. Dépeceuse aguerrie. D'accord. Super. Ok, curieuse. Ah bah c'est l'avantage, j'ai reçu ce qu'on a tiré pour la récolte. Accélération tenue avec le décor. Utiliser un illuminati pour atteindre un ennemi. Hein? D'accord. Ah d'accord, un appôt. Les attaques légères dans la lance ont plus de chances de détacher le blindage et les composants. C'est R1 les attaques légères, non? Je sais plus. Je me disais aussi. Super. R1 pour effectuer une attaque de tap sur les ennemis à terre, donc c'est pas non du tout ça. C'est ça qui est bien. Quand vous visez. Ok. Atterrissage suite à un saut. Non, si on suit, on ne doit pas les ennemis. Ralenti quand vous visez pendant un saut ou une glissade. Oh, bien ça. Ah, ouais, voilà. Ok, il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça. Et ensuite. Voilà. Inventaire. Ah, c'est ça. Bobine déchirure, bobine dégâts, bobine électricité. J'ai pas de trésor. Oh! Quoi? Ressources 15 sur 20? Comment ça? Hein? Merde.
ressources. Ok. Modification, tenue, arme. Juster Karja. Comment on fait pour mettre des choses dessus? Pardon. Comment que je fais? Je suis pas encore censé le faire, c'est ça? Bit. Artisanat. Ah oui. Tenue, je te ressource, que j'ai modification. Ok. Ah là. Catalogue des machines. Quelle peur. J'en ai 15 elle, pourquoi il me disait ressource 15? Ah! D'accord, ok. Ça sur 30, ok, d'accord. Je suis con, excusez-moi, ça m'arrive. Wow! Ok. J'ai lancé la mission, c'est bon, on y va. Par contre. On est haut. À votre avis. Non, je vais jusque là-bas. Ok, 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 ok. Ah, d'accord. Elle est bien fraîche. Il est pas là, le fameux feu de camp? Non. Je l'ai raté tout à l'heure, sans déconner. Ah, d'accord. Non, je l'ai pas raté. C'est pas la même route, c'est différent. Sûrement Arana. Elle a des ennuis. Calme-toi, Jaco. Toka ? Non. Tais-tu. T'entends ce moment. Regarde, restant. C'était pas hyper stylé ça, franchement. Totalement. Totalement. Elle est là-haut? Non, pas du tout. Je dis de la merde. Attendez, elle est où la connasse? Je peux te parler, s'il te plaît? Ah si, d'accord, elle est là. Bonsoir.
C'est toujours utile, mais très amer. Merci. J'ai vraiment cru que ces veilleurs allaient me déchiqueter. Ton père m'a envoyé te chercher. Il faut que tu rentres. Je sais. Mais je partirai pas avant d'avoir repris la lance de ma mère à cette charognarde. Cette lance est importante pour toi. Ma mère l'avait fabriquée juste avant de mourir. Je suis si triste que mon père l'ait perdue. Il n'a pas fait exprès. Les charognardes sont redoutables. Je sais. Mais l'idée qu'elle soit perdue à jamais m'est insupportable. Ton père s'inquiète énormément pour toi. Il s'inquiète même quand je m'éloigne pour aller faire pipi dans les buissons. Merci. C'est parce qu'il a peur de te perdre, Arana. Je sais. Mais j'aimerais bien qu'il arrête de me crier dessus. Comment tu t'es retrouvée dans l'arbre ? J'ai pisté la charognarde jusqu'au berceau de la mer. Je l'ai même aperçue, mais un veilleur m'a repérée et a appelé sa meute. Par la toute mère, je suis pas assez bonne chasseuse pour récupérer ma lance, hein ? Je la retrouverai, ta lance. C'est vrai ? Oh, merci ! Va voir ton père. Il s'est blessé à la jambe pendant qu'il te cherchait au sud du cœur de la mer. Oh non. D'accord, j'y vais tout de suite. Merci encore. La piste d'Arana s'arrête ici. C'est là qu'elle a dû voir la charognarde. Si je suis les traces de cette machine, je devrais tomber dessus. Ah, la technologie. Belle morale, ce jeu. Même quand on en est privé, on ne peut pas s'en passer. La piste s'arrête là. La machine a dû traverser la rivière. Allons voir de l'autre côté. Petit renard. Ah, ou avec le manon encore ou... Bonjour. Oui, j'ai compris. Je me casse. Bon. La voilà. Maintenant, la lance. Tonnerre.
fusiller. Couteau, ça va plus vite. Hein. Qu'est-ce que ça, tu regardes quoi, toi? On dira pas, hein, ça va plus vite. Je voulais utiliser le lance-cap. Ça valait le coup. Mais Cette arme est magnifique. Arana sera heureuse de la récupérer. Je récupère juste les 2-3 trucs. Par contre, ça va mettre là, lancer les bombes, je crois, si c'est utile. J'ai laissé un veilleur là-haut. Et j'irai pas plus loin. Allez, on est les flemmards, on ne l'est pas. Eh, je sais. Je sais ce que vous voulez, mais que voulez-vous? Ouais, d'accord. Loué soit la toute mère, Aloy est revenu avec la lance. D'abord, tu as retrouvé Arana, et maintenant tu rapportes la lance. Quand je t'ai appelé à l'aide, je n'étais même pas sûr que tu acceptes de me répondre. Merci de l'avoir fait. Oui, merci. Je suis tellement heureuse de retrouver ma lance. Elle est d'une qualité prodigieuse. Ta mère savait fabriquer des lances. Je n'égalerai jamais son savoir-faire, mais elle m'a appris quelques techniques. Ça me ferait plaisir d'améliorer la tienne. Merci. Ta mère devait être quelqu'un de bien. Je suis triste pour toi. Tu sais, grâce à toi, j'ai encore sa lance pour me souvenir d'elle. T'étais pas obligé de nous aider, pourtant tu l'as fait. Ma mère t'aurait admiré. Merci, Aloy. Merci pour tout. Marrant. Bien. Ah. Voilà. Je vais voir les quatre du coup. Ok, c'est bon, on peut continuer. Grâce à la partenaire. Allons-y. Oh pardon. C'est pas vrai.
katana encore une fois. La machine. T'es mort. Problème, messieurs ? Aucun problème, on est dessus. Oh, super. Ça m'a l'air pas mal. Je ne sais pas quelle est leur proie, mais la chasse a l'air rude. Le voilà. Aloy. Tu es là. Perspicace, papy, par ailleurs. Tu as les flèches de feu ? Oui. Ces explosions et ces cris au-delà de l'étreinte, c'est ça les incidents dont tu parlais ? Tu le sauras bientôt. Pour l'instant, on attend la nuit. Attendre la nuit ? Je comprends pas. Ces explosions, c'est à l'extérieur de l'étreinte ? Qu'est-ce qu'on peut faire d'ici ? Ce que j'ai à t'apprendre sera fait au moment opportun. D'ici là, on attend. J'ai vu Garst et j'ai acheté ce lance-câble dont je te parlais. Et je suis sûr qu'il t'a fait payer une fortune alors que c'est une arme un peu plus rustique. C'était pas donné, mais je ne regrette pas. Peut-être. Tu verras rapidement ce qu'il vaut. Je ne regrette pas même si je ne l'ai utilisé... jamais. J'ai porté des lapins à Gratta la Fêlée. Elle a remercié la toute-mère, bien sûr. Parce que c'est la toute-mère qui lui a donné ses lapins par ton biais. Tu dis toujours ça. Mais c'était moi, j'ai chassé seul. Toi aussi, tu dis toujours ça. Et après, tu te plains d'être seul. Bon, Rost, j'ai réfléchi. Et je ne t'éviterai pas après l'éclosion, ok ? Je ne le ferai pas. Je ne vais pas faire comme si tu ne m'avais pas élevé. Aloy, la loi interdit tout contact. Je sais, et je m'en fiche. Je sais que tu respectes les règles, Rost, mais les lois tribales n'ont fait que me déposséder, toute ma vie. Mais ça n'arrivera plus. Aloy, je dois me plier au règlement. Et tu t'y plieras. Je savais que tu dirais ça, mais j'ai une solution. Je viendrai te voir en secret. Personne ne le saura, je ne risquerai rien. Et je sais que tu ne me parleras pas, parce que c'est interdit, mais je te parlerai. C'est moi qui enfreindrai la loi. Toi, tu écouteras. C'est comme ça qu'on fera. Tu... semblais avoir bien réfléchi. Je sais. Alors ne t'inquiète plus. Ça ira. Oui. En effet.
La nuit ne va pas tomber tout de suite. Je vais aller me reposer. Bonne idée. Tu ne risques pas de dormir cette nuit. Ah. Oui, d'accord. 26 juillet 2018. Oh là là. Je savais pas que c'était aussi vieux. Attaque imminente niveau 44. Ah oui, d'accord. Oh, 29 heures de jeu. Bah, nouvelle sauvegarde, hein. Ça y est. Un peu loin des temps. Ils ouvrent la porte à une paria. Certains sont bannis alors qu'ils n'ont jamais mérité le déshonneur. Tu parles d'une loi tribale? Je n'ai parlé à personne et nous devons tous deux rester silencieux maintenant que nous sommes en dehors de l'étreinte. Ça, c'est la vraie nature, Aloy. Ces dangers dépassent tout ce que tu as jamais connu. La vache ! Qu'est-ce que c'est que cette machine ? La tribu les appelle des dents de scie, tu n'en as jamais vu. Elles sont dangereuses. Elles ont tué de nombreux braves depuis leur arrivée dans la région, voilà 10 ans. Je veux bien te croire. Eh ben, allez, papy, on avance. Papy. Suis le sentier, ce n'est pas loin. La maisonnette, qu'est-ce qui s'est passé? Une machine, comme toujours. Quel genre de machine peut faire ça? Celle que tu es en train de chasser en ce moment. Ok. Une carcasse de veilleur. Je récupère les pièces. Surveille les alentours. Mais comme une merde. Pourquoi il n'y a que nous? Pourquoi les braves de la tribu ne l'attraquent pas, cette machine? Ils ont essayé. Les carcasses qu'on a croisées, c'était eux. Et demain, ils reprendront la chasse. Ce ne sera pas nécessaire. Cette machine ne fera pas le poids. Ou c'est toi qui ne le feras pas, si tu n'es pas prudent. Totoche. Porte pas le karma. Pavillon tout entier, anéanti par des dents de scie. Mais combien ils étaient? Je ne t'ai pas amené ici pour répondre à tes questions, Aloy. Je t'ai amené pour que tu t'occupes de ça. Mais encore. Énorme. Comment je peux le vaincre? Ça va être à toi de le découvrir. Je te laisse maîtresse de cette chasse, Aloy. Tu seras seul. Et quoi qu'il puisse arriver, je n'interviendrai pas. Est-ce que tu comprends? Tu dois te débrouiller. Il faut que je reste caché. Je peux me servir des hautes herbes pour approcher. Voyons un peu où je vais placer mes pièges. J'ai compris. Vous m'avez fait acheter une arme, vous voulez que j'utilise. Ça,
Va. Non, non. C'est pas compliqué, il en fait tout un pâte à caisse là, mais bon, je veux bien croire qu'en mode difficile c'est plus compliqué. Pourquoi est-ce que je t'ai amené là? Pas pour répondre à mes questions. Aloy. La survie requiert la perfection. C'était un test destiné à m'améliorer en situation de combat. Non. Allez, viens. Ça, c'est la zone où les Nora viennent chasser. Il faut protéger cet endroit. Si tu n'avais pas détruit ces Dancy, combien de braves est-ce qu'il aurait pu blesser ou même tuer demain? La leçon repose tout entière sur cette question. Ça fait des années que tu t'entraînes pour l'éclosion, mais uniquement pour toi-même. En tant que brave, ton devoir sera de protéger ceux de ta tribu. Ceux de ma tribu? Tu disais que j'en aurais pas besoin. Mais je ne t'ai jamais dit qu'ils n'auraient pas besoin de toi. C'est en apprenant à te débrouiller seul que tu te forgeras tes propres opinions. Parce que tu es une... Tu apprendras à servir une cause qui te dépasse. Qui plus est de JRPG. Voici la leçon à retenir de tout ça. Garde-la en mémoire. Après l'éclosion. Mais aussi après ma mort. Bon, on a fini. Viens. Grosse, grosse annonce. Le jour s'est levé. Ce jour sera ton dernier ici en tant que paria. Profite de ce moment pour réfléchir aux défis qui t'attendent ensuite. Bon. Quand il faudra rejoindre le cœur de la mer, tu me trouveras sur ton chemin. Je rentre à la maison avec toi. Je ne vais pas y aller tout de suite. J'ai encore à faire. Oh, c'est-à-dire? Je te retrouverai quand il sera temps. Ouh, papy fait des cachotteries. J'ai compris ta dernière leçon, Rost. Vraiment? Mais si je dois lutter pour quelque chose, ce serait une cause en laquelle je croirai. Je te souhaite de la trouver. Je suis sincère. On se voit au cœur de la mer. C'est ça. J'ai vu. Non, j'ai vu ça. Bien ça. Ok. Ok, 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 ok. Okay. Alors, peut-être d'abord faire tout ce qui est niveau 1. Ouais. Je vois pas ce que c'est. Il y a des veilleurs un peu fous, je me rappelle, mais... Ah oui, ça. Ah si! Des trucs de différents. Ouais, d'accord, je vois. Ici.
Ok. Ma foi. Le vent porte l'odeur d'un nouveau jour. On la lance, hop. Oui. Eh bien, tu auras compris YouTube, c'est la fin de ce live sur Horizon. On se revoit très bientôt ce soir sur les chaînes de TC et Nono pour du RP, toujours et encore sur Twitch. Et ceci étant dit, comme d'habitude...